So the next speaker is Kurt Obsell. He's a guest from the United States, and he's working, or he's not only working, he is the executive director and general counsel of the Electronic Frontier, Frontier Foundation, and he is a long-time working... Notre présentateur est Kurt Obsell. Il est directeur exécutif délégué et conseiller juridique de Electronic Frontier Foundation. Il vient des États-Unis et il va nous parler aujourd'hui des Five Eyes. On a l'impression que les Five Eyes nous regardent sans arrêt. Un tonnerre d'applaudissements pour Kurt, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être de retour ici au CCC. Je sais qu'il y a énormément de choses intéressantes à faire ici, donc merci beaucoup d'avoir pris du temps de votre expérience du CCC pour venir voir cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler des Five Eyes, des cinq yeux. Les Five Eyes, c'est une alliance d'intelligence, d'espionnage. Il y a cinq États membres qui se sont mis d'accord pour partager des données. Et pour autant qu'on sache, c'est l'alliance d'espionnage la plus importante, la plus grande du monde. Ses membres sont l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Cinq membres, cinq yeux. Et ils partagent des données, toutes sortes de données, en particulier des signaux, mais aussi des renseignements humains, toutes sortes d'informations sur qui est qui et ce qu'ils font, et de l'information géospatiale, des données obtenues par satellite, et ils dérivent des données à partir de ça. Les cinq yeux, c'est quelque chose qui a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a continué pendant la Guerre froide et qui, jusqu'à ce jour, continue à nous espionner tous autant qu'on est. Donc, dans ses membres, il y a les États-Unis, en particulier la NSA, la National Security Agency, mais d'autres agences gouvernementales également, notamment la CIA, le FBI. Il y a aussi le Royaume-Uni, en particulier le GCHQ, le service de renseignement britannique, mais également d'autres services de renseignement, en particulier le fameux MI6 de James Bond. Il y a aussi l'Australie avec le Australian Signals Directorate, qui est également un service de renseignement. Et quand on parle de certains de ces partenaires, ils ont tous une zone de responsabilité. Par exemple, l'Australie a des responsabilités dans toute la zone Pacifique. On peut voir ici cet extrait de document qui parle d'Indonésie, Malaisie, Singapour, en particulier parce que l'Australie a un accès géographique et des capacités en matière de langue qui lui permettent d'avoir plus d'enseignement là-dessus. Donc chacun des membres a des zones ou des responsabilités qui leur sont exclusives. Le Canada a le CSEC, CSEC, Communication Security Establishment Canada, ainsi que d'autres services de renseignement. Cet extrait de document ici montre la profondeur de coopération entre les pays, notamment des échanges de personnel, d'officiers, mais d'informations, des projets conjoints, etc. Et la Nouvelle-Zélande avec le GCSB et d'autres agences de renseignement à nouveau. Et dans cet extrait ici, ça parle de l'intérêt que la Nouvelle-Zélande a pour partager ces données. Ils sont très envie de partager ces données pour atteindre un niveau de partage qui leur permet d'accéder au projet X-KeyScore, dont on parlera plus tard. Et ce document dit qu'un partage de données complet sera mis en place pour pouvoir avoir accès à énormément de données et de la surveillance de masse accessible aux agences de Nouvelle-Zélande. Donc, ça a commencé, comme je l'ai dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une série d'accords entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Ça a eu lieu dans les années 40. C'était entre leurs agences de renseignement à l'époque. Il y a eu aussi d'autres alliés qui ont été impliqués là-dedans. Mais après la Seconde Guerre mondiale, ça s'est réduit à peu près aux cinq colonies ou dominions du Royaume-Uni, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et les US également. Alors,
Five Eyes, c'est devenu à ce moment-là le terme formel pour déterminer ces cinq pays. À l'époque, on pouvait dire Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis pour ces yeux-là seulement. Et ça a été raccourci dans cet acronyme FVEY, Five Eyes, qui désignait ces pays-là. Donc, l'accord original, c'était l'accord UK-USA, qui était donc entre Royaume-Uni et USA, qui a été écrit donc pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été révisé en 1955 pour devenir l'accord UK-USA. Et le Royaume-Uni et les USA sont toujours les parties principales de Five Eyes. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des parties secondaires de cet argument. Ce sont des membres pas complets, mais très proches quand même. Alors, il y a eu beaucoup de plans pour augmenter le nombre d'yeux dans cette alliance. Il y a eu plusieurs propositions pour ajouter un sixième pays, pour faire six yeux, notamment la France, l'Allemagne, qui ont été en contact avec à divers niveaux de négociation pour devenir le sixième œil. Il y a aussi eu des propositions pour des groupes plus larges, notamment pour 9 yeux. Les documents de Snowden ont révélé qu'il y avait une proposition pour le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la France comme quatre nouveaux yeux. Et il y a aussi un groupe qui s'appelle le Seguin Seniors Europe, SSEUR, qu'on pourrait appeler les 14 yeux, puisque ça ajoute les 9 yeux plus la Belgique. Il y a la France à nouveau, c'est une petite erreur ici, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, la Suède, et je pense qu'il en manque un pour faire 14. Mais vous pouvez voir tout en bas ici la liste complète, avec notamment l'Espagne. L'accord des Five Eyes a pendant longtemps été extrêmement confidentiel. Cet accord, le fait même qu'il existe, était secret jusque 2005. Et le texte de l'agrément de l'accord était secret jusque 2010. Il est maintenant accessible. Je vais vous mettre l'URL si vous voulez le regarder. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'appendices, beaucoup de documents. C'est un document très long. La plupart des agences qui étaient impliquées étaient elles-mêmes secrètes, pour la plupart, jusqu'aux années 1970. Et parfois même, bien après que des informations sur leur existence aient fuité, les États-Unis, par exemple, ont continué à nier leur existence en disant qu'une telle agence, en parlant de la NSA, n'existait pas. Il y a un cas intéressant, c'est celui de l'Australie, où le Premier ministre n'a découvert que son pays ne faisait partie de cet accord qu'en 1963, suite à des conflits intérieurs qui les ont conduits à se renseigner sur les services de renseignement et de découvrir l'existence de cet accord. Alors maintenant, c'est beaucoup plus formel. Il y a des réunions annuelles et ils font des communiqués de presse. Pendant la guerre froide, les Five Eyes se concentraient principalement sur l'Union soviétique et la Chine. C'était surtout une coopération très profonde entre le NSA et le GCHQ britannique. Vous les voyez là, leur siège sur la slide. Quelques moments clés pour ces agences, ça a été la guerre du Vietnam, le coup d'État en Iran que la CIA a soutenu, le coup d'État au Chili qui a mis Pinochet au pouvoir. Les informations obtenues par les Five Eyes ont été utilisées pour faire ces coups d'État. Un des programmes clés pour tout ce qui est du renseignement a été le programme Echelon. Echelon, c'est un des programmes les plus connus, même son nom est devenu connu, même s'il en a eu plusieurs au long des années. En fait, il a commencé dans les années 60 et il utilisait des stations pour obtenir des données à partir des satellites. À cette époque, les informations étaient envoyées jusqu'au satellite, puis du satellite jusqu'à la Terre, et était possible d'intercepter ces communications dans certains cas.
Dans ce cas-là, ils utilisaient toute l'extension géographique des Five Eyes et leur avance technologique pour obtenir des renseignements de partout dans le monde et les concentrer entre leurs mains. Au fil du temps, Echelon est devenu plus ou moins obsolète. La fibre optique a remplacé les communications satellites. Bien sûr, ces communications satellites utilisent encore, mais elles sont maintenant beaucoup plus utilisées pour des choses comme la vidéo. Enfin, vous voyez, bon, pas forcément ce qu'on essaie d'espionner, puisqu'on s'intéresse plus souvent aux métadatas, aux métadonnées qu'aux données en elles-mêmes. Donc dans les années 2000, il n'y avait plus assez d'informations qui étaient accessibles depuis ce moyen, et c'est Internet qui est devenu, bien sûr, le moyen clé. Au début du millénaire, après le 11 septembre 2001, il y a eu un désir très fort d'étendre les capacités, de repousser les limites des agences de renseignement pour avoir de meilleures informations sur toutes les parties du monde qui étaient couvertes par la communication. En effet, la plupart du trafic Internet mondial passe par des terres géographiques qui appartiennent aux membres des Five Eyes, ce qui leur permet facilement de collecter ces données. Ça leur permet de collecter ces données en gros. C'est des programmes, grâce à des programmes qui sont devenus connus avec le programme avec les révélations de Snowden comme Upstream ou Tempora. Alors, ça c'est un exemple du programme Upstream de la NSA. Donc ça vient de l'IFF. Ça fait à peu près 10 ans que quelqu'un a attaqué en justice la NSA. Et ce qu'on voit ici, c'est un bâtiment sur Folsom Street à San Francisco. Et on voit qu'il y a AT&T qui est un fournisseur d'accès. Et on voit que ça va dans un tuyau optique. Et on voit qu'il y a un peering link. Et que l'autre lien va directement à une salle de contrôle de la NSA. Et les informations vont directement à la NSA. Et donc, avec ce design de splitter, est assez commun. Et c'est comme ça qu'il faisait pour récupérer les informations. Tempora, c'est un autre qui marche un peu pareil. Le GCHQ, dont on parle comme un buffer. Donc en fait, ça va le prendre directement des fibres optiques et c'est partagé directement avec les Five Eyes, avec des X-Key Store. Donc ils ont énormément de données grâce à cette méthode et ils sont très fiers de dire qu'ils ont beaucoup plus de données, beaucoup plus de quelque chose comme 40 milliards de pièces de données par jour. Ils en sont très fiers. En plus de cette collection de données, les Five Eyes ont aussi un programme de collection active. Donc ils développent des malwares, ils développent des backdoors. Ils ont des accès directement ciblés. Et ils ciblent directement des personnes ou des entités. Et ils ont des accès corporate, donc d'entreprise. Et donc par exemple des boîtes qui donnent internet, téléphone, etc. Ils utilisent Prism, donc ils utilisent des garanties et ils ont d'autres méthodes légales qu'ils utilisent. Et c'est les documents que Snowden a révélés. On prouvait qu'à Google, il y avait certaines données qui n'étaient pas encryptées et que du coup, ils réussissaient directement à récupérer les données et c'était directement dans Google et ils pouvaient y accéder parce que la sécurité SSL était désactivée. D'autres exemples de cette coopération, c'était les malwares de Regin
qui était fait par GCHQ et la NSA qui tout travaillent ensemble. Ça a été trouvé à Belgacom en Belgique et sur certains ordinateurs en Europe. Ça a été utilisé par les membres des Five Eyes pour espionner un peu ce qui se passait en Europe. Les documents de Snowden ont montré que la NSA était derrière cette intrusion dans les réseaux en Europe. Un autre exemple, Eternal Blue, qui montre comment est-ce que ça peut vraiment mal se passer dans ces cas-là. Donc il y avait un exploit de SMB qui permettait d'enlever du code pendant que ça se... d'ajouter du code pendant que ça tournait. Et donc on a trouvé ça dans les outils de la NSA. Ça a été utilisé par WannaCry et ça a donné plein de problèmes à tout le monde, dans le monde entier. Beaucoup de choses ont leaké et c'était très dangereux parce que beaucoup de gens ont mis très longtemps à patcher le problème. C'est un exemple qui montre comment ces outils qui ont été designés pour rendre le monde plus sûr peuvent se retourner contre le créateur. Un autre exemple, c'est celui de Juniper. C'est quelque chose que la NSA, c'est un défaut que la NSA a inséré dans un générateur et ça lui permet de plus facilement déchiffrer le trafic de manière passive. Tout ce qui utilisait ScreenOS en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on l'a découvert, on s'est rendu compte que ça n'utilisait pas exactement les mêmes constantes pour le chiffrement que celles que la NSA avait fabriquées. Ce qui suggère que cette porte dérobée avait été compromise par une tierce partie. Donc le NSA avait perdu le contrôle de cette porte dérobée. Prenez un peu plus comment les Five Eyes fonctionnent. Eh bien, c'est assez facile. Ils font des collectes de renseignements. Ils le partagent avec les autres membres. Uniquement les membres des Five Eyes. Ils ont aussi un accord pour ne pas espionner les chefs d'État ou de gouvernement les uns des autres. Mais bon, c'est un petit peu moins clair pour tout ce qui est citoyen des autres pays. Si un membre des Five Eyes est impliqué dans l'espionnage d'un pays, les autres peuvent dire qu'ils ne sont pas. Techniquement, c'est vrai. Et pourtant, ils ont quand même les données. Par exemple, il est arrivé que les membres des Five Eyes, qui n'étaient pas en charge de renseignement sur un pays, ont nié avoir fait partie de ce renseignement, même s'ils avaient les données. Ça permet ce qu'on appelle des contournements des régulations domestiques. Ça, c'est quand il y a des restrictions légales au sein d'un pays qui disent dans quel cadre on peut ou ne peut pas espionner ses citoyens. Il faut peut-être passer, par exemple, par le système judiciaire. Il y a peut-être beaucoup de procédures à suivre. Mais ce n'est pas forcément le cas pour les autres membres de Five Eyes qui, eux, peuvent peut-être espionner vos citoyens et ensuite vous partager l'information à nouveau. Par exemple, David Blunkett, qui a été secrétaire domestique au Royaume-Uni, a dit au Parlement que la NSA évitait les restrictions internes du Royaume-Uni et que comme ça, les Royaume-Uni pouvaient accéder à cette information. Et le Royaume-Uni n'avait même pas besoin de demander cette information. Ce qui aurait été illégal, la NSA offrait directement cette information au Royaume-Uni. Et ça, c'était légal. Alors, ce qui est important à comprendre ici, c'est que, en général, la collection non intentionnelle, la collection accidentelle de données, c'est OK à partager. Ça, c'est si vous collectez énormément de données de façon très large, que ce soit des données ou des métadonnées. Alors, il peut y avoir, par exemple, en Australie, des lois qui interdisent de cibler un citoyen australien. Mais si vous surveillez tout le monde et il s'avère qu'il y avait un citoyen australien là-dedans, là, c'est OK de le partager. Ça, c'est une notion extrêmement dangereuse, une notion qui est au cœur de l'espionnage de masse.
c'est que s'il y a des lois qui vous empêchent de cibler quelqu'un, à la place, vous ciblez tout le monde. Là, vous ciblez tout le monde. Ce n'est pas que vous ne ciblez personne, c'est que vous ciblez tout le monde. Mais c'est toujours OK, légalement, de partager cette information. Alors, ça, par exemple, ce qu'on a pu voir, c'est dans le programme XKeyscore, il y a des données qui vont être affichées et les opérateurs peuvent voir quel niveau de partage est possible. Il va donc y avoir des données et une boîte qui va permettre de sélectionner qu'est-ce que vous partagez avec quel pays. Ce n'est pas forcément nécessaire de tout partager. Mais donc, on attache à ces pièces de données collectées ce qu'on appelle des sélecteurs. Et ces sélecteurs peuvent être plus ou moins réduits, par exemple pour les 9 yeux ou les 14 yeux, que sur les 5 yeux originels. Pour donner un exemple de comment ça marche en pratique, de l'accès de tierce partie aux 5 yeux, aux Five Eyes qui accèdent, en Allemagne, le BND utilise aussi XKeyscore, notamment des programmes d'écoute de ligne ADSL. Et le BND cherchait plus de données, et donc il cherchait des données disponibles dans XKeyscore, et la NSA semblait ravie de leur donner accès à ces données. Alors la NSA ne leur donnait probablement pas tout, mais il y avait quand même un fort niveau de coopération indiqué par ces données partagées. Donc, pour ramener cette discussion un petit peu sur où est-ce que ça nous mène tout ça et quels sont les problèmes aujourd'hui, on va plonger un peu dans comment marche le chiffrement. Le chiffrement fournit la vie privée et la sécurité pour des milliards de personnes dans le monde. Et ce sont des choses qui sont nécessaires, la vie privée et la sécurité, des choses nécessaires à une vie démocratique. Mais les Five Eyes veulent retourner à un monde où c'était facile pour eux d'avoir accès à des quantités massives de données. Et donc, ils ont un intérêt aigu en matière de chiffrement. Par exemple, ici, dans ce PDF de XKeyscore, il y avait ce slide qui vous disait, par exemple, dans XKeyscore, vous pouvez dire « Montrez-moi tous les usages d'un document Word chiffré en Iran ou toutes les utilisations de PGP en Iran. » Et eux, ils veulent pouvoir garder ces données chiffrées quelque part stockées pour aussi long que nécessaire, jusqu'à pouvoir le déchiffrer. Mais alors, ce qu'on peut voir quand même, c'est que le chiffrement, c'est devenu de plus en plus frustrant pour les Five Eyes. On peut voir ici l'adoption de HTTPS dans Chrome depuis 2015 jusqu'en 2018. Donc, on peut voir que ça partait de quelque chose entre 25 et 50% selon les pays. Mais on peut voir que maintenant, ça en est rendu à 50 à 75, 80% même. Alors, selon les pays, ça varie. Mais on peut voir quand même que ça augmente énormément. Et il y a des projets comme Let's Encrypt qui ont rendu ça beaucoup plus facile de chiffrer plus de trafic sur Internet. Ça rend la vie plus difficile aux Five Eyes qui essayent d'espionner énormément de données. Ils sont aussi frustrés de voir que les appareils qu'ils peuvent saisir sont aussi chiffrés, leurs disques durs sont chiffrés. En juin 2017, les ministres responsables des programmes des Five Eyes se sont rencontrés et ont publié un communiqué de presse sur le chiffrement. Ils disent « Voilà notre problème, nous sommes soucieux, nous sommes concernés par le chiffrement et nous voulons plus travailler avec les entreprises spécialisées dans la communication pour qu'il y ait plus d'échanges entre nous. » Donc ce qu'ils veulent, c'est avoir ce lien avec les entreprises. Bon, ce qu'ils appellent ce lien, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. On voit par exemple ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec l'Investigatory Powers Act. Bon, le texte, bien sûr, n'utilise pas le mot de porte dérobée, mais en fait, le texte est tellement large, couvre tellement de choses qu'ils n'ont même pas besoin d'utiliser ce mot. Ça permet d'assez facilement avoir le droit d'espionner des entreprises ou des individus. Bon, en fait, ça montre assez bien leur méthode de travailler pour contourner le chiffrement. Ils disent « on ne veut pas de porte dérobée, on est pour le chiffrement, mais on veut juste que vous ayez la capacité technique de nous tenir au courant de ce qui se passe dans ces documents. » Donc en fait, il faut pouvoir leur donner le contenu des données chiffrées, donc c'est exactement le contraire du principe du chiffrement.
Alors comment est-ce qu'ils font ça? On a eu un petit peu d'informations cette année quand Ian Levy, le directeur technique du GCSQ, a proposé une solution, ce qu'il appelait l'utilisateur fantôme. C'est quelque chose qui permet de surveiller des chats chiffrés. Et c'est un utilisateur qui est sur le chat, mais que vous ne pouvez pas voir. Par exemple, si vous utilisez Signal, il y a vous, vos amis, et cet utilisateur fantôme que vous ne pouvez pas voir. Pour que ça marche, c'est qu'il faut, pouvoir supprimer tout ce qui est message d'avertissement aux utilisateurs, pour pas qu'on puisse savoir à qui on parle et voir précisément si quelqu'un a été ajouté au chat. Bon, ça c'est un exemple des genres de solutions qu'ils proposent de mettre, où ils disent bon voilà, on ne casse pas le chiffrement, c'est vrai qu'ils ne le font pas du côté mathématique, mais à la place ils le font avec les questions d'authentification. Un peu plus tard, en septembre 2018, les Five Eyes se sont retrouvés en Australie et ils ont fait un autre communiqué commun où ils discutaient de beaucoup de choses, dont certaines sont tout à fait remarquables. En particulier, ils ont dit qu'ils voulaient garder une neutralité technologique dans leur, capacité de renseignement. Ça, ça vient de, de ce qu'on appelait la crypto-war des années 90, où des agences de renseignement américaines avaient proposé d'insérer une chip qui permettait de déceler les communications même chiffrées. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus et ils ont été obligés de se retirer. Ils peuvent maintenant plus proposer de solutions de ce genre qui sont mal perçues par l'industrie, mais ils ont décidé d'utiliser des solutions plus larges. Donc ce qu'ils disent, c'est que les fournisseurs de services créent un problème et donc c'est à eux de proposer la solution. On voit dans le paragraphe sur le slide, c'est qu'ils disent si vous ne le faites pas et que nous sommes confrontés sans arrêt à ce doute, nous allons devoir prendre des mesures technologiques, légales ou tout type de mesures qui sera nécessaire. Donc on les voit là qui disent bon, le chiffrement c'est bien, mais si vous ne nous permettez pas d'avoir accès au contenu, il va falloir qu'on sévisse. À peu près au même moment, en Australie, ils travaillaient sur un nouveau projet de loi. L'Australie, c'est un endroit un peu spécial. Bon, pendant le débat sur le chiffrement, le Premier ministre a dit « Les lois de la mathématique sont très bien, mais elles ne s'appliquent pas en Australie. Ce qui s'applique en Australie, c'est la loi australienne. » Donc quand les gens lui disaient « ça ne marche pas, vous ne pouvez pas faire de porte dérobée qui donne accès au texte directement et avoir un système sécurisé », alors lui, il ne voulait pas entendre cet argument. Et pourtant, plutôt ce mois-ci, ils ont quand même passé la loi qui s'appelle le Assistance and Access Act. Donc ça, c'est une loi qui est assez large et on va juste souligner quelques aspects ici. Un aspect, donc c'est similaire à l'Investigative Powers Act du Royaume-Uni. On peut même dire que c'est l'Investigative Powers Act sous stéroïdes. C'est qu'on peut secrètement forcer des entreprises à reconcevoir du logiciel ou du matériel pour permettre l'accès aux données. Il y a des amendes importantes pour les entreprises. Ça peut monter jusqu'à 10 millions de dollars australiens. Et pour les individus, ça peut monter jusqu'à 50 000 dollars australiens. Et du temps, des années de prison pour un refus de coopération en matière d'espionnage. Il y a aussi quelque chose qui cherche à empêcher la liberté d'expression, qui est de dire que donner des conseils à quelqu'un conseiller à quelqu'un de s'opposer à cette loi, en soi, ça, c'est un crime aussi. Donc ça, ça crée un environnement législatif très dangereux et ça crée cette idée que si une entreprise ne coopère pas suffisamment avec le gouvernement, un jour elle sera approchée par le gouvernement qui lui demandera sous secret de faire quelque chose. L'entreprise ne pourra probablement pas en pratique collaborer suffisamment puisqu'on ne peut pas changer forcément le code si facilement que ça. Les gens vont probablement s'en rendre compte. Donc ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les ingénieurs en Australie et ailleurs.
Donc, il y a aussi la question de qu'est-ce que ça peut atteindre, ça. Le texte dit que les fournisseurs de communication désignés ne doivent pas être forcés à concevoir un système qui est volontairement affaibli. Le problème avec ça, c'est que la notion de qu'est-ce que c'est qu'une faiblesse systémique dans le texte, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, ce n'est pas défini dans la loi. Donc, on peut imaginer que tout au moins, ils veulent exclure quelque chose qui affecterait un petit nombre d'utilisateurs, par exemple. Mais ce n'est pas clair du tout si leur interprétation de ce que veut dire ce mot « systémique », ce sera la même chose que ce qu'un ingénieur qui travaille sur la sécurité informatique, par exemple, pourrait y lire. Par exemple, la notion de fantôme dans la machine, d'utilisateur fantôme, que proposé par le GCHQ, moi j'appelle à ça une vulnérabilité systémique, puisque ça enlève de façon systémique la sécurité du système. Mais on peut tout à fait imaginer que le gouvernement et le système judiciaire australien donnent une autre interprétation à une situation comme celle-ci. Donc on va attendre de voir ce que ça donne. On n'a pas d'autre choix. Autre chose, c'est que la notion de fournisseur de communication désigné, c'est pas bien défini non plus. Et ça peut vouloir dire à peu près n'importe quelle entreprise qui a quelque chose à voir avec l'Australie. Alors ça peut être plus compliqué que ça, puisque beaucoup d'entreprises font des affaires en Australie, mais n'ont pas forcément de bureau ou d'ingénieur là-bas. Donc, beaucoup d'entreprises qui sont probablement ciblées par ça ne sont pas vraiment en Australie d'une manière significative. Donc, pour savoir si oui ou non ces entreprises se sentent concernées par cette loi, ça reste à voir. Et on peut aussi voir la question de certains projets open source qui peuvent dire... Il y a des projets open source qui ont dit « on n'enverra plus personne en Australie, comme ça on n'aura pas à s'en soucier ». Mais c'est plus difficile à faire pour des entreprises comme par exemple Google ou Apple qui veulent créer des systèmes de messagerie sécurisés, par exemple. Donc, pour donner une idée quand même d'une notion de ce que l'Australie considère comme étant l'assistance qu'ils peuvent demander aux entreprises, on a des choses comme, par exemple, enlever une forme de protection électronique. Bon, pour ça, ils veulent dire cryptographie, hein, chiffrement, si l'entreprise a la capacité de le faire. Donc ça, il y a une discussion pour savoir si c'est est-ce que vous avez la clé ou est-ce que vous avez la capacité de fournir les informations de design, de conception d'un système aux agences. Ça, ce serait par exemple si une agence gouvernementale voulait créer son propre système d'attaque contre un système. Et ça nous amène au point suivant qui est installer, maintenir, tester, etc. du logiciel ou du matériel fourni par une agence à l'entreprise. Donc ça, c'est l'agence qui vient voir l'entreprise et qui dit « voilà une boîte noire, vous la mettez sur votre réseau, vous posez pas de questions » ou « voilà un morceau de code ou un logiciel que vous devez installer sur vos serveurs et posez pas de questions, ça fera quelque chose ». Il y a aussi des choses comme par exemple d'aider à tester ou développer ces systèmes. Donc ça permet carrément d'aborder le problème des deux côtés. Non seulement l'entreprise doit l'installer, mais doit aussi aider l'agence à le concevoir. Il y en a un autre ici qui est d'avertir les agences de changements majeurs sur leur système qui ont à voir avec, qui pourraient empêcher ou affecter l'exécution de cette surveillance. Ça veut dire que si vous avez une entreprise et que vous ajoutez une nouvelle forme de sécurité, avant les agences étaient capables d'espionner ou d'accéder à ces informations, et maintenant ils vont devenir incapables de le faire parce que vous ajoutez de la sécurité, ils veulent le savoir à l'avance pour pouvoir faire quelque chose pour empêcher ça ou le contourner. Donc par exemple, si votre iPhone fait des backups sur iCloud, régulièrement il y a des copies de ces données avec Apple, et Apple a la clé de ces données. Si le gouvernement prend le contrôle de votre téléphone et veut avoir les données, ils ont besoin de la clé, mais ils peuvent avoir la même information depuis iCloud. Maintenant, si Apple change ça pour que vous ayez le contrôle de la clé au lieu d'eux, ça, ce serait un genre de changement dont le gouvernement voudrait avoir l'information préalable, puisque ça affecterait leur capacité à recueillir ces données. Il y a aussi des choses comme, par exemple, de devoir
cacher le fait que ces données sont faites, que ces opérations sont faites sur le système. Par exemple, si vous devez installer quelque chose ou supprimer quelque chose, vous n'avez pas le droit d'en parler à quelqu'un d'autre. Vous pouvez même avoir à faire activement chercher à dissimuler ces informations. Beaucoup de gens ont dit aux législateurs australiens que ce n'était pas faisable, que ce n'était pas pratique, et qu'on ne pouvait pas modifier le chiffrement de cette façon sans le rendre inutile. Le directeur général de la sécurité, donc un des responsables du renseignement le plus élevé dans le pays, qui d'habitude ne fait pas ce genre de déclaration, où il se trouve que seulement maintenant les assistances techniques entre agences de renseignement ne peuvent être faites que si le directeur général de la sécurité s'est assuré que le côté pratique et faisable des obligations imposées par la loi est atteint. Alors pourquoi est-ce que ça importe pour nous ? Bah pour beaucoup de raisons. La première, c'est que les Five Eyes conduisent des opérations de renseignement et de surveillance à l'échelle de la planète. Ce qu'ils construisent, c'est un système similaire au Panopticon. Le Panopticon, c'est un design de prison qu'on voit sur la slide. C'est une sorte de demi-cercle autour d'une cellule de renseignement, une cellule de surveillance centrale. Donc, tous les prisonniers pourraient être regardés depuis ce centre, mais ils ne seraient jamais s'ils étaient regardés à un moment donné. Donc ils ne sauraient jamais s'ils étaient soumis à la surveillance ou pas. Le but, c'est de les intimider pour policer leur comportement. Si on crée un régime où toutes nos communications sont susceptibles d'être espionnées, s'il n'y a pas de sécurité dont on puisse être satisfaite, s'il n'y a pas d'entreprise vers laquelle on peut aller pour se dire « bon, je suis sûr » qu'il n'y a pas de défaut volontairement introduit dans le système, comme l'utilisateur fantôme dont on parlait tout à l'heure, alors vous êtes en fait soumis à l'œil de ce Panopticon, à l'œil de Big Brother. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas juste pour certaines personnes identifiées. Bon, voilà, ce n'est pas un texte qui vise juste les méchants ou les criminels. Ils collectent toutes les données, et ils essaient de faire quelque chose où ils sont capables de remonter dans le temps, c'est-à-dire ils collectent toutes les données, et ils peuvent ensuite aller regarder a posteriori qu'est-ce qui s'est passé des fois il y a des années plus tôt, qu'est-ce qu'ils avaient cherché sur Internet, avant qu'on s'intéresse à eux, puisqu'ils ont regardé toutes ces données. On voit aussi des choses comme la NSA qui construit en Utah des data centers capables de stocker des années et des années de métadonnées de communication. Voilà quelque chose qui va complètement à l'inverse de notre droit fondamental à la vie privée. C'est un droit qui est protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'article 12. La vie privée est reconnue comme un droit important dans la plupart des constitutions, dans la plupart des textes sur les droits humains. Alors là, les textes font semblant de ne pas y toucher, avec un argument qui dit « vous avez toujours la vie privée, on ne garde que certaines données, celles qui nous intéressent, dans des cas très précis ». Mais ça va complètement à l'encontre du principe qui dit que la surveillance devrait être nécessaire et proportionnelle. Il ne faudrait être soumis à la surveillance que quand c'est absolument nécessaire, que quand on est soumis à une enquête, ou si on est une personne d'intérêt, un intérêt particulier. Mais il faut aussi que ce soit proportionnel, que le type de surveillance utilisée soit proportionnel au danger qu'une personne représente à la société. Pour en savoir plus sur ces deux principes, vous pouvez aller voir l'URL qui s'affiche ici, necessaryandproportionate.org.
ou des spécialistes et des ONG ont réfléchi sur qu'est-ce qui pourrait être une bonne balance, qu'est-ce qui pourrait être une bonne balance d'intérêt entre les besoins de sécurité des États membres et nos droits individuels. Il ne faut pas oublier, quand on fera nos lois par la suite, qu'il est tout à fait nécessaire que les lois de renseignement obéissent à ces deux principes. Voilà, c'est particulièrement important en ce qui concerne l'encryption, en ce qui concerne le chiffrement, pardon. S'il y a une cible qui est particulière, qui est ciblée à un moment, les services de renseignement peuvent tout à fait s'en sortir avec les outils qu'ils ont à leur disposition. Mais c'est vrai que le chiffrement les empêche de faire des collectes, en gros des collectes massives, de pouvoir tout garder pour ensuite pouvoir les regarder à leur convenance plus tard dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui pourtant est nécessaire à notre vie démocratique. Alors, le problème avec ça, c'est que ça rend normal la surveillance de masse. Quand des pays comme les Five Eyes, qui sont des démocraties occidentales, font ça, on pense, mais c'est les gentils. Ils vont pas mal utiliser ce pouvoir. Mais même si vous acceptez, mais si vous pensez que c'est le cas, ça rend quand même la surveillance de masse comme ça tout à fait normale. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a d'autres pays qui sont plus autoritaires, et peut-être même que ces pays deviendront autoritaires un jour, mais ces pays autoritaires peuvent dire « Ah mais non, on fait juste la même chose que ce que font les bons pays, les gentils pays, et du coup c'est normal. Le fait de casser le chiffrement ou de forcer les gens à ne pas chiffrer, tous les pays devraient pouvoir le faire. » Et même si vous pensez, vous, que par exemple l'Australie, c'est légitime qu'elle ait accès à ces données et qu'elle les partage avec, disons, les 14 yeux, est-ce que ça vous semble normal quand même que, par exemple, la Chine ait accès à toutes ces données, que la Chine ou la Russie, par exemple, puissent forcer toutes les entreprises à installer des portes dérobées, etc. Donc le problème, c'est que ça rend les choses trop normales, ça rend la surveillance de masse trop normale. Un autre problème, c'est que les faiblesses qui ont été introduites dans les systèmes par les Five Eyes peuvent être et ont été utilisées par d'autres. C'est des systèmes qui peuvent échapper à leur contrôle. Et même si on se dit que ce n'est pas une faiblesse systémique, pour utiliser leur vocabulaire, ça peut le devenir quand cette vulnérabilité devient disponible pour d'autres, comme par exemple le Shadow Brokers, ou si cette vulnérabilité est redécouverte par un chercheur indépendant. Ce qu'on sait, c'est que ces vulnérabilités sont découvertes et qu'elles deviennent exploitées. Si vous mettez une vulnérabilité dans un système, elle sera exploitée. De plus, les Five Eyes n'ont plus ou moins aucune protection pour leurs alliés. De fait, on a des preuves formelles que les Five Eyes ont espionné des pays qu'ils considéraient leurs alliés, comme par exemple des membres de l'OTAN. Il n'y a évidemment aucune protection pour les citoyens des Five Eyes. Et il n'y a rien du tout pour le reste du monde. Les Five Eyes ont très très peu ou presque rien en matière de protection sur ce qu'ils peuvent faire contre les autres pays. Donc, si la sécurité c'est si important, la clé c'est que le problème c'est pas que la sécurité est trop forte. On a déjà bien assez de faiblesses et de vulnérabilités dans nos systèmes de sécurité. Et en trouver plus pour permettre l'espionnage, c'est contre-productif à la fin. Donc, de cette façon, les Five Eyes, qui disent qu'ils sont complètement pour la sécurité, qu'ils veulent rendre le monde plus sûr, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils introduisent une insécurité globalisée. Et l'exemple du chiffrement, c'est vraiment la clé pour comprendre tout ça, puisque c'est là où ils dépensent énormément d'efforts en relations publiques. Ils veulent un accès à la demande aux données chiffrées et ça, c'est ce qu'eux appellent le chiffrement responsable. Mais en fait, le chiffrement responsable, il n'y en a qu'un seul, c'est le chiffrement fort. Si vous avez un accès à la demande à des données chiffrées, vous détruisez toute confiance dans le chiffrement de bout en bout, end-to-end, qui rendait la confiance possible. Donc, il est impossible d'avoir un système complètement dans lequel on a une complète confiance. Si vous avez un accès à la demande, vous avez détruit cette confiance. Donc,
les Five Eyes essayent d'introduire chez les chercheurs la notion qu'il faut continuer à avoir un débat sur comment est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Comment est-ce qu'on peut détruire le chiffrement et garder la confiance. Et ce que les Five Eyes disent, c'est il faut qu'on recherche, il faut qu'on trouve des solutions. Non, en fait, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils cherchent des vulnérabilités qui existent déjà et qu'on essaye de les résoudre. Alors, ne vous laissez pas séduire par des gens qui vous disent qu'il faut qu'on trouve un meilleur système de tierce partie de confiance qui peut garder vos clés. C'est pas possible. Ne croyez pas à ce qu'ils disent. Ce qu'on doit chercher, c'est des moyens d'avoir des communications plus sûres. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une société démocratique. Merci. Merci à vous, nous avons encore pas mal de temps pour les questions. N'hésitez pas à vous rendre au microphone. On va commencer avec une question de l'Internet. Est-ce que vous pouvez commenter le bassinard arrangement qui cherche à prévenir l'utilisation d'encryption forte? Alors, en matière de ce qu'on appelle le personal arrangement, l'arrangement personnel, l'accord personnel, c'est un accord dans lequel les Five Eyes essayent de dire que certaines munitions ne peuvent pas être exportées, ce qu'on appelle du contrôle de munitions. Alors, pour la plupart des gens, on va penser à des tanks, des fusils, des choses comme ça. Mais dans certains cas, en fait, ce qu'ils regardent, c'est des outils, par exemple des outils de sécurité, de pentesting ou des choses comme ça. Et ça tombe sous le coup de ces restrictions. On a aussi eu le cas d'appliquer ces restrictions à du chiffrement fort, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est une erreur de ne pas réaliser que pour tester la sécurité, il faut utiliser des outils qui peuvent casser la sécurité, même si ces outils peuvent aussi être utilisés pour faire le mal. Donc, la controverse qu'il y a eu là-dedans, c'est en partant de bonnes intentions pour rendre ça plus difficile de vendre des outils qui permettraient d'attaquer la sécurité, pour rendre ça plus difficile de vendre ces outils à des régimes oppressifs, ils ont aussi rendu les choses plus difficiles en Occident pour faire de la recherche en sécurité. Ce qui affaiblit la sécurité. Merci beaucoup pour cette présentation très informative. Ma question est, ils ont les technologies pour faire cette surveillance. Est-ce qu'ils ont aussi la capacité de faire des manipulations de ces données? Et est-ce qu'ils les font, ce genre de manipulations? Alors, c'est une excellente question. Je n'ai pas de preuve que ça a été fait à une quelconque échelle, mais la capacité, si vous avez par exemple un splitter sur une fibre optique, de la façon avec la compréhension qu'on a de leur système, tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un splitter qui fait deux copies et qui en envoie une copie vers eux. Mais c'est tout à fait possible d'avoir un système un peu plus complexe à la place qui permettrait de regarder certaines des données, de déterminer ce qui doit être changé et en quoi ça doit être changé. Alors, peut-être que ça pourrait être trop facile à détecter. Ils sont très paranoïaques d'être détectés. Donc, je ne suis pas sûr de comment ça pourrait marcher à grande échelle sans ajouter de la latence et des signaux visibles. Et on n'a pas vu de document qui indique que ça a été fait à une quelconque échelle. Maintenant, si on parle à très petite échelle, il y a certainement eu de la manipulation d'informations au cours des presque 100 ou en tout cas 80 ans qui ont mené à la création des Five Eyes. Et on sait que pendant ces années, durant de nombreux conflits, comme par exemple la guerre du Vietnam, ou l'incident du golfe du Tonkin. On sait qu'il y a eu ici de la manipulation d'informations qui a été modifiée pour faire de la désinformation de l'adversaire. Mais je ne suis pas sûr que ça puisse être appliqué à une échelle massive.
Merci pour cette présentation déprimante. Tout cela peut se résumer aux enjeux légaux et plus qu'aux enjeux techniques dans votre présentation. Mais est-ce qu'il reste encore des juridictions neutres, je ne sais pas, par exemple la Suisse, les pays nordiques, où au moins on ne peut pas être espionné sans le savoir? Ou est-ce que cette bataille est complètement perdue? Alors, c'est une bonne question. Et je pense qu'il y a toujours moyen de vous placer dans un pays en regardant leurs lois et les restrictions qu'ils ont sur... au sein de ce pays sur faire de la surveillance de leurs citoyens. Et on pourrait imaginer des pays qui ont, par exemple, suffisamment de transparence et de contrôle pour que vous puissiez vous sentir en confiance que vous n'êtes pas espionné au quotidien. Mais ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est est-ce que si ce pays lui-même est compromis par un tiers, par exemple les Five Eyes. Donc, si par exemple vous allez, disons, en Suisse, est-ce que c'est possible que les Five Eyes aient un certain contrôle et puisse faire de la surveillance en Suisse sans permission de la Suisse? C'est certainement possible. Je n'ai pas vu d'informations qui disent que ça s'est passé, mais beaucoup de choses très intéressantes se sont passées en Suisse. Ils sont très intéressés, les Five Eyes, par les mouvements financiers. La Suisse est très connue pour son système bancaire et le secret qui l'entoure, un peu moins secret depuis quelques années, mais les principes restent quand même là. Donc, ça, c'est le risque qu'il y aurait. Si vous y pensez, ce que vous pouvez penser, c'est qu'il faut faire les choses à plusieurs niveaux. Il vous faut la loi qui vous dit que vous allez être protégé. Il vous faut un cadre dans lequel cette loi peut réellement être appliquée. Il faut un pays qui s'intéresse à... qui soit un état de droit. Et il vous faut aussi, techniquement, un système dans lequel vous pouvez avoir confiance, dans lequel, même si quelqu'un était en train d'essayer activement d'accéder à vos données, il serait bloqué par la technologie. Et donc, on espère qu'ils ne le font pas parce qu'il y a la loi et il y a un cadre de la loi et un état de droit qui les en empêche. Mais s'ils essayent, ils n'y arriveront pas. Et des systèmes comme ça existent. Ils existent et continueront à exister. Vous pouvez développer un système open source, vous pouvez le rendre disponible à des gens, peut-être dans ces pays en dehors. Quelqu'un peut lire le code et se rendre compte qu'il n'y a pas de backdoor intentionnel, de porte dérobée intentionnelle que vous avez mis dedans, qu'il n'y a pas de système qui dit que quelqu'un va être ajouté secrètement à une conversation, qu'on peut voir que les clés sont vérifiées et que le processus est respecté. Et avec cette étape technologique de protection, c'est comme ça qu'on peut être réellement confortable avec l'idée qu'on n'est pas surveillé. C'est plus un commentaire qu'une question. Dans les programmes de messagerie comme Signal maintenant, ce qu'on pense, c'est que ce genre de programme permet de savoir si le chiffrement a été compromis ou pas. Donc ça permet d'être plus sûr des communications entre utilisateurs. Quelque chose d'intéressant dans la question de l'utilisateur fantôme, c'est une question qui a été posée au niveau académique d'ailleurs. C'est comment est-ce qu'on utilise les meilleurs systèmes de sécurité pour le chat entre plusieurs personnes. Peut-être que la meilleure façon de penser à cette question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire des systèmes résistants ou des systèmes où c'est mathématiquement impossible ou très difficile d'ajouter des utilisateurs en plus, ou même de savoir qui sont les utilisateurs d'un messagerie de groupe. Merci pour ce commentaire. C'est un peu une réponse de base. Alors moi, je suis un juriste, hein, pas un technologiste. Je travaille avec énormément de technologistes, donc je ne pourrais pas vous dire spécifiquement pour ce système comment ça marche. Alors, pour autant que je sache, Signal essaye de résoudre ce problème et bien d'autres, d'ailleurs, fournisseurs de messagerie le font aussi.
ce que je peux dire, peut-être à un niveau un peu plus, à un plus haut niveau, c'est que en tant que technologiste, ce que vous, les gens dans cette salle et qui nous écoutent, pourrez faire, s'il vous plaît, créer une interface utilisateur qui marche bien et qui simplifie le problème de gestion des clés et de transfert des clés pour que les gens puissent rapidement et simplement transmettre et vérifier les clés des autres membres de leur groupe. Et avec ça, ça rendra les choses beaucoup plus difficiles pour ajouter une tierce personne non authentifiée. Une autre question de l'Internet. Alors, première question. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est arrivé en termes de renseignements depuis les révélations Snowden ? Est-ce que vous pensez que c'est pire que depuis 2013 ? Alors, c'est une autre bonne question. On a un vrai trésor d'informations qui est sorti en 2013 avec les révélations de Snowden. Certaines informations n'étaient pas vraiment courantes en 2013. Il y avait des informations sur ce qui avait été fait avant. Donc, on sait certaines choses sur ce qui s'est passé depuis. Et il y a eu plusieurs réactions dans certains endroits, comme par exemple, dans certains pays, il y a eu des réactions qui ont été de mettre en place des lois pour autoriser des choses qui étaient déjà faites avant. Par exemple, le Investigative Powers Act au Royaume-Uni ou le Foreign Intelligence Surveillance Act aux États-Unis qui modifiait le droit pour légaliser des pratiques qui avaient déjà lieu, qui avaient déjà cours. Donc ça ne nous donne pas beaucoup de foi dans l'idée qu'ils auraient rectifié ou ils auraient limité les activités qu'ils faisaient avant. Et dans le contexte de certaines de ces lois, il y a des choses qui ont été mises un peu comme un coup de chapeau quand même à des craintes en matière de liberté civile. Par exemple, dans certaines lois, ils disaient « Ah non, on ne fait pas de vulnérabilité intentionnelle » ou « On a rajouté des choses qui disent « Quand vous présentez ça à une cour de justice, la cour peut ramener des experts, ce qui rend ça plus difficile pour que… » ce qui empêche l'agence gouvernementale de confondre le juge en racontant des bêtises ou en essayant de noyer le juge sous des détails techniques qu'il ne comprend pas. Mais globalement, toutes ces lois ne nous ont pas donné beaucoup de confiance sur ces capacités. Et on a aussi l'inquiétude en même temps que leur capacité de renseignement augmente et que la vitesse à laquelle elle augmente également. Par exemple, on sait que leur capacité à stocker des données, en 2013, ça coûtait tant, maintenant ça coûte moins. Et si on pense à ça, on peut voir combien de trafic ils peuvent capturer et stocker avec un budget donné. Combien d'années de données ils peuvent stocker sur leur disque dur. Et ça, c'est un nombre qui va continuer à augmenter parce que stocker des quantités massives de données, c'est quelque chose qui va devenir de moins en moins cher. Et donc, avec leurs machines à revenir en arrière dans le temps, ils pourront revenir de plus en plus loin. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la décroissance des coûts, la baisse des coûts de stockage, c'est quelque chose qui leur permet d'augmenter leur capacité. À une époque, c'était trop cher d'espionner tout le monde. À une époque, pour savoir où vous étiez, il fallait avoir quelqu'un qui vous suivait toute la journée ou une voiture qui vous suivait. Ensuite, on a commencé à avoir des technologies comme il fallait mettre un petit transpondeur sur votre voiture. Mais bon, il fallait quand même réussir à mettre le transpondeur sur toutes les voitures. Maintenant, on a tous des téléphones dans nos poches et ce téléphone sait où vous êtes en permanence. Donc, il suffit de demander à ce téléphone où vous êtes ou de demander à une entreprise où est allé ce téléphone en particulier. Et ça augmente leur capacité à récupérer plus de données. Ils sont dans l'âge d'or de la surveillance, malgré leurs propos dans lesquels ils disent qu'ils perdent l'accès aux données. Bonjour, que pouvez-vous nous dire à propos de la position et du rôle de la Commission européenne sur toutes ces questions? La position de la Commission européenne, s'il vous plaît. Le Royaume-Uni? Ah non, d'accord, l'Union européenne, ok. Donc, l'Union européenne, alors quand ces révélations sont sorties, l'Union européenne a lancé plusieurs investigations sur les révélations Snowden. Et de manière générale, a dit « c'est un problème ». Ils ont réagi principalement aux fuites de documents de Snowden, mais pas seulement.
Et il y a aussi tous les efforts de protection des données en Union européenne. Ces efforts ont été surtout centrés sur quelle information est disponible à des entités commerciales. Ça a un certain effet sur des entités gouvernementales, mais pas de restrictions fortes sur les utilisations pour tout ce qui est sécurité nationale. Donc l'Union européenne pourrait faire beaucoup plus pour montrer que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable en Europe. Je me posais la question de l'accès et de l'accessibilité en Australie par rapport à ce que vous nous avez dit. Du point de vue légal, par rapport aux entités commerciales, est-ce que les compagnies sont en faveur de cette politique ? Et est-ce qu'au contraire, ils peuvent la limiter en limitant leur business en Australie ? Et est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce que des compagnies ont dit qu'ils feraient de telles pratiques ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui se sont exprimées contre ce projet de loi, notamment Apple qui a envoyé des commentaires qui indiquaient diverses failles dans ce projet de loi. Mais bon, c'est une chose de dire qu'il y a des problèmes avec ce projet de loi et d'essayer de l'arrêter. Mais c'est plus difficile de dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, on va arrêter de faire des affaires dans ce pays. Et ça, ça a été un des problèmes pour la plupart des entreprises globales où ils doivent faire des choix sur est-ce que oui ou non, ils vont faire des affaires dans certaines juridictions, dans certains pays, sous certains régimes et de faire des choses que peut-être ils ne veulent pas le faire. On a vu des exemples, par exemple, de ça. Après que Google ait découvert une attaque sur leur système par la Chine, dans laquelle la Chine accédait à des informations sur certains dissidents grâce à cette attaque. Après ça, Google a arrêté de faire des affaires en Chine pendant un moment, mais je pense qu'ils sont toujours intéressés par les possibilités commerciales, le fait de travailler sur un moteur de recherche qui serait acceptable pour le gouvernement chinois. Donc, ces marchés commerciaux sont une tentation forte pour des entreprises. L'Australie n'est pas seulement un marché important, c'est aussi un marché dans lequel, c'est un marché dans lequel certaines entreprises pourraient peut-être arrêter de faire du travail sans perdre une quantité énorme de leur business. Mais il faut voir ça comme ça, il faut voir ça autrement. Si ils arrêtent de faire des affaires dans ce pays, combien d'argent ils perdent? Mais s'ils continuent à faire du travail, des affaires ici, et que pour ça, ils doivent compromettre leurs services à l'échelle mondiale, quel est l'impact sur leur business? L'autre option est de dire on va faire une version spéciale Australie. Et ça, il y a des histoires qui ne se sont pas très bien passées là-dessus. Par exemple, dans les années 90, pendant tout un moment, il y avait deux versions des navigateurs les plus populaires. Par exemple Netscape, il y en avait un pour l'utilisation domestique aux États-Unis et un pour l'utilisation internationale. Et celui dans l'international avait un chiffrement très faible pour que la NSA et les partenaires de Five Eyes puissent plus facilement déchiffrer ces communications. Mais c'était vraiment stupide puisque c'était très très facile pour quelqu'un d'accéder à une copie du chiffrement plus fort qui était pas censé être exporté aux États-Unis. Donc, comme je disais, en plus, cette notion de contrôle des exports s'est avérée illégale. Donc, je pense que maintenant, si on dit, bon, j'ai ce système de messagerie, par exemple, et voici ma version australienne, beaucoup de gens vont dire, peut-être que je ne devrais pas utiliser la version australienne. Parce qu'ils vont se dire, c'est pour ça qu'il y a deux produits. Je pense qu'on a dépassé notre temps. J'aurais bien aimé qu'on puisse avoir d'autres questions, mais ils peuvent venir vous voir directement. Merci de donner un tonnerre d'applaudissements pour Kurt, s'il vous plaît.